Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Nous allons partir en PVP avec la team GT qui a un poil changé depuis la dernière fois. Bon, pas grand chose, j'avais le Lee Shenron de couleur bleue EX qui a été remplacé du coup par le Goku SSJ3 Zenkai sous les conseils du frérot Marty. Hein, Marty qui a un excellent niveau sur le jeu Dragon Ball Legends, franchement incroyable. Donc dédicace à toi dans cette vidéo mon frérot, on va aller voir un petit peu ce que ça va donner du coup. Pourquoi je joue la team GT? Parce que bah, les gars vous le savez très bien, pour moi la team SSJ4, les poilus, je kiffe, hein. T'es ma toutes les figurines SSJ4 et tout derrière moi. Bref, t'as compris, pour moi c'est la transfo qui reflète les origines des Saiyajin. Poilu de Zaru, les yeux de Zaru, la grosse queue de singe, la grosse chevelure, bref, je kiffe. Et pour moi, je pense que, honnêtement, si vous avez envie d'apprécier le jeu, malgré les lags, les cheaters, etc., qu'on peut rencontrer en PvP, effectivement, ça c'est un gros problème. Et bien, si vous voulez quand même kiffer un minimum, je pense qu'il faut jouer avec des persos que vous possédez dans votre box qui vous font kiffer dans l'univers de Dragon Ball. Et moi, pour le coup, bah, la team GT, je suis super content qu'elle soit revenue sur le devant de la scène. Donc, let's go, les gars. On va partir avec cette team en espérant que Gogeta Super Saiyajin Fonda aille casser de la bouche. Belle team Saiyan en face. En plus, il a 1099 GG et 11000 points avec le Vegeta Ultra. Bon, on va commencer par Goku. Voilà, on repart toujours avec les trois mêmes. Ok, il a pris le Vegeta Ultra, incroyable. Oh là 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 là. Ok, allez. Ça passe. Voilà. Ok. Ok. Là, ça devrait arracher. Là, ça devrait arracher avec le Gogeta. Là, il va prendre cher. Il va prendre cher. Ok, très bien. Ok, l'armée Gogeta, le Vegeta, ok. Ok, parfait. Allez, allez. Il va esquive. Ouais, il a esquive. Hop, esquive aussi. Parfait. Je pense qu'il va mettre Goku ou pas? Ah, il a pas mis le Goku, ok, très bien. Après, en soi, c'est normal qu'il ne l'ait pas mis puisqu'il va récupérer des PV si Goku reste le dernier survivant de la team. Mais bon, ça... Voilà, parfait, parfait. Parfait, ça passe. Pour l'instant, on s'en tire vraiment très très bien dans la game. Ok. Et il arrache, hein. Le Vegeta Ultra, il arrache, hein. Regardez, c'est un Zenkai 7 que j'ai en face, hein. Bon, bah là, il est mort. Là, c'est terminé pour lui, hein. Bon, bah voilà, voilà, voilà. Clairement, c'était fini pour lui. Par contre, il a arraché quand même le Vegeta Ultra. Dites-vous bien que il n'y avait pas d'étoile, rien du tout. Ça a l'air d'être un perso extrêmement fort. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait plaisir même quand on fait des vidéos. Bienvenue à vous. Du coup, là, j'ai 10806 points. On est dans le top 4K ou pas? Top 4000 ou pas? Ouais, 3923, comme vous pouvez le constater juste ici. Ça fait plaisir. Je suis encore choqué des dégâts que le Vegeta Ultra mettait à mon Goku Zenkai 7 quand même. Incroyable. Et allez, encore de la team Regen. Oh là là, c'est incroyable. Ok, on va reprendre les trois mêmes. Quand on me dit, ouais mais Soso, regarde ta team, elle est forte. Mais regardez les teams que j'affronte, les gars. On n'affronte pas des teams héros, hein. C'est un truc de fou. Hein. Là, voilà. Voilà, là, il y a le Majin Buu. Après, même si jamais, voilà, il y a le Cell Transfo également. Il y a le Piccolo, tout ça, le Piccolo Legends Road en plus, qui est vraiment très bon. J'espère que vous l'avez farmé. Ok, bah voilà, ok. Ok, il a pas mis le Majin Buu, par contre, il a mis, comment ça s'appelle, la C21 de Dragon Ball FighterZ. Ok, let's go, allez. Allez, allez. Skive, ok. Bon, bah voilà, contre-type, ça fait pas de dégâts, c'est normal. Allez. Ok. Ok. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Franchement, c'est incroyable. La team Regen comme ça, c'est incroyable. Et on en affronte beaucoup. Hein. On en affronte beaucoup. Hein. Ok. Allez. Ok, mets son sel. Alors, ce qui est chiant en team Regen, c'est que tu peux pas faire le Rising Rush à n'importe quel moment parce que... Alors, attendez, attendez, je me concentre. Ich. Ouf. Ok, c'est bon, ça passe. Parce que si jamais tu fais le Rising Rush et qu'il met son sel, t'as mis ton Rising Rush pour rien. Puisque derrière, le sel va récupérer une deuxième barre de vie. Et en plus, sera hyper balèze.
Ok. Ok, regardez les dégâts. Hein. Bon, après, c'est normal. Mon Gogeta est 3 étoiles, mais quand même. À la base, Gogeta est quand même un perso qui, je trouve, tanque vraiment très bien sur le jeu, le Gogeta 4. Hein. Mais là, voilà, face à la Team Regen, ça fait mal quand même. Hein. Faut faire attention. Ok, la VR, comme ça, on prend que des blasts. J'ai pas été bon dans la tempo. Et elle me fait des dégâts, elle. Ok. Skip. C'est très dur. Ok, là, on va mettre la cover. Ish. Gogeta, ça, c'est propre. Ça, c'est mon poilu, ça. Ça, c'est mon poilu, mon garçon. Ok. J'ai pas été bon là-dessus. J'ai pas été bon là-dessus. Il a pas encore Rising Rush, je pense qu'il va le faire là. Eh ouais, ça c'était sûr. Est-ce qu'on peut le contrer? Est-ce qu'on peut le contrer? Si on contre pas, c'est chaud. Ah là 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 là, ok. Il a encore le sel avec sa deuxième barre de vie, donc là faut faire un miracle, une remontada ou quoi, mais ça va être chaud. Hein. Allez. Oh là là, ok. Skip. Ish. Ça passe. Donc là, par contre, là, ça va arracher. Là, ça va arracher avec les blasts. Ok, parfait. Ok. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, j'entends. Hein. Merci à vous. Merci également pour les pouces bleus. Bim, voilà. Et merci pour les follow. Hein. Merci également. N'hésitez pas à liker, les gars. Ça fait plaisir et à partager. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Allez, maintenant déjà pour le Rising Rush, je suis tranquille. Je vais péter sa barre de vie, c'était le plus important. Ish ! Voilà ! Voilà, monsieur ! Le contre-pas. Le contre-pas. Déjà que t'as une team regen, frère, ça me fait péter les plombs, s'il te plaît, le contre-pas. Ne le contre-pas. Yes ! C'est pas fini, les gars. La remontada, c'est pas fini. C'est loin d'être fini, là. Allez, let's go. Let's go. Comme ça, hop, je récupère du soin. C'est bien, ça. C'est même très bien. Voilà, tranquillement. Bim. Voilà. Ok, ça me va. Comme ça, elle a meurt. Moi, ça me va. Il me reste plus que le Piccolo. Il me reste plus que le Piccolo à fumer, à faire retourner la cuisine. Let's go. Ok, très bien. Il encaisse. Là, il encaisse, là, du coup, là, le Gogeta, quand même. Il ramasse un peu, mais ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Voilà, ça, c'est bien, ça. Et là, après, voilà. Bim, on ramène le Vegeta. Ouf, ça fait mal, là. Très bien. Allez, et là, c'est plié. Bim! Bim! Bim, mon garçon, voilà. Allez, la team Regen, cuisine. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce que j'étais mal barré au début de la game quand il m'a fait Rising Rush, etc. Et moi, je pouvais pas lancer mon Rising Rush à n'importe quel moment avec son sel, voilà, qui récupère une deuxième barre de vie. Tu vois, tu peux pas le faire à n'importe quel moment. Et là, du coup, on est classé 3629. Allez, vous savez quoi? On va essayer de dépasser la barre des 11 000 points pour cette vidéo. Ça serait vraiment pas mal. Let's go pour la prochaine game. Yeah! Ok, belle team divin en face. Je vais reprendre les trois mêmes, hein, comme d'hab. Va falloir vraiment faire attention à son Gata Isamasu LF. Je pense qu'il va le prendre parce que j'ai pas de perso bleu. Et le Gata Isamasu, franchement, il fait vraiment très très mal. Allez, on se concentre. Ok, faut que je l'arrache tout de suite. Son Gata, c'est direct. Ok, alors attention. Poum! Voilà. Ok, bien joué, bien joué. Ça passe pas. Je pense qu'il voulait. Il pensait que j'allais mettre le Gogeta pour la cover. Et du coup, il a voulu faire un break cover. Et on s'en est bien tiré. Et là, du coup, j'ai eu le Rising Rush hyper rapidement. Allez, la verte. J'ai eu le Rising Rush vraiment rapidement. Et quand c'est comme ça, ça désavantage l'adversaire. Tout comme moi, enfin après il me contre et au final ça le désavantage pas plus que ça après. Ça c'est par contre,
C'est un truc de fou. Ok, ça fait la break cover. Je perds pas de temps. Voilà, faut que j'arrache. Voilà, clairement. Faut arracher. On arrache. Ça tue ou pas? Ça tue ou pas? Ça tue? Ouf! Allez, ça fout quand à la cuisine. Oh! Ça fait plaisir. Ok, très bien. Nous gâter. Ah, je suis content d'avoir fumé son gâtaille. Allez, ça aussi, cuisine. Oh! On l'a détruit. On l'a détruit, frère. Allez. C'est bon, c'est terminé. Il laisse le lef. Il laisse. Incroyable. Incroyable. Alors, franchement, la game, les amis, je pense que là, on a bien géré. Hein. Franchement, on a bien géré. En fait, l'adversaire, bah déjà, voilà, il s'est mangé Rising Rush assez rapidement. Ça, franchement, ça casse la tête. Moi, quand ça m'arrive, quand c'est mon adversaire qui a le Rising Rush avant moi, ça saoule. Tu vois, ça a des avantages. Bon, après, il avait quand même contré le Rising Rush. Mais surtout, il fallait que je fume son Gata Isamasu. Et là, pour le coup, franchement, ça fait plaisir. Et bah du coup, légende Dari finish avec ce Gogeta. Et c'est J4 et on a les 11 000 points. Et ça fait plaisir. Du coup, on est où dans le classement? On en est où? On en est où? Et bah 3403. Et bah, on aura bien joué ce soir encore. Hein. Franchement, voilà, 11 000 points, rang 50. 3400 au niveau de la place. Donc on est dans le top 4K. C'est très bien. Voilà, je vais faire ça un petit peu tous les jours. Il y aura vraiment juste les 2-3 derniers jours où je vais vraiment poncer pour essayer vraiment de monter. Mais en soi, je trouve que voilà, je prends beaucoup de plaisir avec cette team-là. Voilà, clairement, cette team me procure du plaisir. Alors, certes, c'est des persos voilà, qui sont forts. Hein, mais vous avez vu, on affronte des teams étoilés de ouf, les régènes, tout ça, sans vous parler des C18. Parce que clairement, si jamais je voudrais voilà, juste viser la puissance, bah, je prendrais ma C18 Zenkai avec Vados, Topo, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, mais il n'y a pas d'amusement. Clairement, je l'ai déjà fait en live avec vous, voyez, on roule sur tout le monde, mais il n'y a pas d'amusement avec la C18 Zenkai. Clairement, c'est pas le perso, tu vois, coup de cœur C18. Tandis que là, mon Gogeta SSJ4, mes deux autres poilus, franchement, c'est un régal. Et on attend avec grande impatience, vendredi matin, le nouveau portail de cette deuxième partie de l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends avec le Trunks. Oh là là, incroyable, ses cheveux longs, sa veste déchirée et le nouveau Gohan SSJ2 Transfo. LF et puis le Bojack Transfo. On ira bien évidemment invoquer les amis. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Vendredi matin, invocation du coup sur le nouveau portail. En espérant qu'on ait de la chance. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que la passion passe après les priorités. Ciao. Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Ta